Bonjour, donc je suis Hélène Buisson, attachée de coopération pour le français à Prague, pour l'ambassade de France et pour l'Institut français de Prague. Alors, ça fait maintenant quelques temps qu'on réfléchit, mais maintenant on en est sûr. On travaille au montage du premier festival 10 sur 10 à Prague pour mars 2020. Et voilà, la résidence se tenant assez de façon très rapprochée, on va dire, de la frontière tchèque. De facto, ça nous paraissait intéressant avec l'équipe de Drame Éducation d'organiser cette rencontre un petit peu unique pour motiver et donner encore plus envie aux professeurs de français de République tchèque de participer à cette aventure. Alors le projet 10 sur 10, à mon avis, ce qui leur plaît le plus, évidemment, comme dans beaucoup de pays, les professeurs de français ont beaucoup de contraintes horaires, de travail, de temps de présence devant les élèves. Et pour eux, faire la démarche de s'investir dans le montage d'une pièce de théâtre, c'est complexe. Le choix du texte, la scénographie, etc. Avec le projet 10 sur 10, ils ont bien saisi qu'ils avaient un accompagnement réel de la formation pour eux, dans leur pratique pédagogique, mais aussi un accompagnement pour la mise en scène et la possibilité, évidemment, de rencontrer les auteurs. Ça, c'est vraiment une très grande chance. Et en ce sens, évidemment, on le sait aussi, l'impact que ça peut avoir sur les élèves, c'est très motivant. Et pour nous, en tant qu'Institut français, c'est aussi une autre façon de diffuser la langue et d'aborder la langue différemment, au-delà, on va dire, d'une approche frontale avec la langue française. C'est d'autres biais, d'autres prises, mais pour nous, c'est la meilleure façon d'apprécier la langue. Évidemment, aborder Molière dans sa version originale, c'est extrêmement complexe pour des apprenants de français, langue étrangère. L'aspect réécriture, mise en situation contemporaine aussi, finalement, de messages qui sont assez universels. Je pense qu'il y a un travail et sur la langue qui est réalisable pour les élèves, avec les élèves, et également une approche des thématiques qui ont toujours un sens et qui font toujours écho à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc dans ce sens, je pense que c'est aussi c'est aborder un monument, évidemment, de la langue française, mais d'une façon contemporaine. Et en ce sens, en tout cas, nous, c'est une vision qu'on défend.